La passion d'Arnaud lui colle à la peau. À tout juste 21 ans, il a déjà un record de France et il participe à ses premiers championnats d'Europe. Hey. Tu sais le faire. Ok, poulet. Alors, t'as tout ? Alors Arnaud est un très jeune athlète, hein, le plus jeune du circuit, peut-être un des plus doués aussi. Il a le potentiel, il a la jeunesse, il a l'envie. S'il pouvait obtenir de nombreux titres, voilà, ça serait bon pour l'apnée et très beau pour lui. Top départ. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Fire started. Son voyage vers les abysses va durer près de 3 minutes. C'est peut-être un signe. Arnaud est né et il a grandi près de la Méditerranée. Le jeune homme a toujours été un grand sportif. Il a d'abord travaillé son corps sur un VTT avant de trouver sa voie à l'adolescence. C'était à l'âge de 15-16 ans où je découvrais l'apnée avec une sortie. Étant fan du Grand Bleu, vraiment je me suis retrouvé dans l'élément, quoi. À partir de là, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, voilà, c'est là où je veux aller. Pour moi, ces collines, ça représente un peu mon enfance parce que c'est là où j'ai commencé à faire du VTT très jeune. Quand je me retrouve ici, c'est l'un des points les plus hauts que je connaisse. Il y a une sensation de liberté. Avant mes plongées, je fais une visualisation et la plupart du temps, quand je ferme les yeux, je me retrouve ici. Dans la famille d'Arnaud, on a l'amour de la mer dans le sang. Frédéric est chasseur sous-marin et il a traîné son fils dans ses filets dès son plus jeune âge. Il y en a assez là. Ils sont là. Arnaud, quand est-ce que vous avez commencé à l'amener à la chasse ? Son premier harpon, il a offert à 7 ans, mais c'était un harpon de 50 cm avec la flèche qui, pour sortir du harpon, il fallait presque la pousser. C'était un peu une initiation à savoir si c'était quelque chose qui lui plairait plus tard. Parce que bon, on propose aux enfants, mais on ne sait jamais s'ils vont adhérer ou s'ils auront d'autres plaisirs que celui qu'on a nous-mêmes, quoi. Ouais. Donc, apparemment, ça a fonctionné et trop bien. Et des fois, on se dit, moi, je ne pensais pas qu'on irait jusque-là, quoi. Ouais. Alors, champion. Ça va? Ouais. Très bien. Ça va, papa du champion? Ouais, c'est ça. Il a pris de belles gènes, hein. On a eu pire comme météo, hein. C'est vrai, ça, c'est sûr, mais comme assez. Voilà les amis. Bon, on a un poste. Il n'y a plus qu'à. Allez. Il y a un maintenant. Tiens, prends celui-là pour le laisser en secours. On ne sait jamais. C'est rare de pratiquer une passion aussi forte avec un membre de sa famille et notamment mon père. C'est très important de garder ce contact de père-fils. D'autres petits Marseillais tapaient la balle sur des terrains de foot. Lui, son terrain de jeu, c'était l'immensité de la mer. Quand on a 7 ans, on se retrouve avec son masque au fond de l'eau, comme ça, à ouvrir les yeux.
C'est très impressionnant. J'arrivais pas à tirer des poissons parce que j'avais un harpon trop petit. Je sautais un peu comme Peter Pan, mais sous l'eau. C'est la sensation d'apesanteur que j'ai aimée. Ah, c'est bon. Ça fait du bien de... revenir un peu aux bases. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait avec mon père, donc non, ça fait du bien de plonger un peu. Et le père, il suit ? Alors, oui, il suit. Ça va, ça va. Hein. Il était gentil comme aujourd'hui. Les poissons n'étaient pas au rendez-vous. On a quand même vu un beau... c'était une belle dorade royale, ouais. Une belle dorade royale, mais elle n'a pas voulu s'approcher. Donc... L'essentiel, c'est prendre du plaisir et de faire une sortie de chasse avec son fils, surtout en cette période où il était vraiment concentré sur ses compétitions et ses entraînements. Donc c'est un beau moment privilégié, le poisson. Il passe vraiment, mais alors très très loin derrière. Voilà. Presque, je dirais, c'est un prétexte pour qu'on se plonge ensemble. Faire plaisir à papa. Soupe de poisson, mais coquillage aussi. Arnaud a beau être champion d'apnée, à la maison, il met la main à la pâte. Oui. Il vient de terminer son BTS électrotechnique et vit encore chez ses parents. Tu as la piscine demain ou non ? Demain soir, oui. Ouais. Dans la famille, il n'y a pas qu'un seul athlète. Anaïs, l'aînée, a elle aussi été championne de France d'aérobic. On fait un peu de tout, abdos, voilà. Fessiers... Après, il y a même du body combat. Du body combat ? Ouais, sympa ça. Et la bouche. Et non, mais il faut un peu remuer, non ? La bonne soupe chassée. C'est chassé ? Ouais, ouais. C'est une chasse qu'on a réalisée en début de printemps. Mais ce rituel est chaque année. Alors, c'est vrai que c'est toujours un grand moment parce que. C'est un grand moment, la chasse. Ouais. La chasse. Garder toujours le côté passion, hein, parce que bon, c'est vrai que l'apnée a pris beaucoup de place aujourd'hui, mais on arrive quand même à maintenir un côté comme avant, on part chasser le week-end, on se fait plaisir, on revient avec les poissons et après on fait la soupe de poissons. Et tu fais attention à ce que tu manges ? J'ai une alimentation qui est saine, mais qui n'est pas non plus carrée, stricte. Je me permets de faire 2-3 écarts de temps en temps. Des écarts, bon... C'est manger une bonne côte de bœuf, voilà, dans la limite du raisonnable. Après, tout ce qui est alcool, j'ai jamais trop aimé, donc ça me dérange pas de pas en prendre. C'est un sacrifice ? Non, parce que ça me donne pas vraiment envie non plus, mais c'est surtout difficile de l'expliquer. Voilà, quand on me propose un verre ou... Voilà, les gens, ils sont là, ils ont du mal à comprendre parce qu'ils n'ont pas tout l'objectif qu'on a nous-mêmes. Ils ne voient pas le but qu'on s'est fixé et que chaque détail compte. Marin ? Oui ? Je te montre la vidéo ? Allez. Alors, je prends tout mon air au maximum. C'est parti. Oui, je regarde en direct, c'est ce qu'il y a de plus dur en fait et c'est assez stressant et pourtant je ne peux pas ne pas le regarder parce que je veux être rassurée de suite. Là c'est quoi là, tu c'est coules le free fall. D'accord. Moi je le vis comme vraiment une euphorie, mais quand on le vit à la place de notre famille. C'est différent, quoi. Pour moi, on est impuissant à ce moment-là. Et quoi qu'il se passe, ben, tu constates. Voilà. Donc, quand tu remontes avec le sourire, c'est magie. Mais quand tu le vois descendre, tu... Ah, vite, vite, qu'il respire. Tu te mets même, toi, en apnée. Mais comment il arrive à tenir, en fait, sans respirer comme ça? Et pourquoi il fait? Parce que c'est sûrement pas le but de l'argent, parce que c'est pas le cas.
Je veux dire, oui, ils ont des médailles, mais qu'est-ce qu'il va chercher au fond? Qu'est-ce qu'il va chercher au fond, quoi? Voilà, ça j'ai du mal. Arrêter de respirer, c'est ne plus vivre pour le grand public, on va dire. Et je pense qu'au fond, on est le meilleur de nous-mêmes, un peu la quintessence. Parce qu'on est dans un endroit tellement extrême, avec la pression, avec tous les mécanismes qui se mettent dans le corps, il peut que y avoir le meilleur de nous-mêmes qui ressort pour avoir ce côté survie. C'est aussi très calme, il n'y a pas de bruit, il y a une ambiance qui est magnifique, avec un bleu qui évolue tout le long de la descente. On ne peut pas se lasser de ça, quoi. C'est ça que je vais chercher au fond. Sur humain quand même, hein, pour remonter comme ça. Et puis ils sont contents ce qu'ils sont autour de toi quand même. Et tu les sens heureux aussi. Bon. Même s'ils l'ont toujours soutenu, les parents d'Arnaud savent que très peu d'athlètes gagnent leur vie avec l'apnée. Alors c'est vrai que bon, on va venir professionnel parce que c'est. Parlons-en. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux axes qui se dessinent. Il y a le premier qui serait celui à privilégier, si c'était possible, sur apnéiste professionnel, ou plutôt sur une version je trouve un job et le week-end, le soir, je m'entraîne. Mais il n'y a pas des emplois qui peuvent, par exemple, faire un mi-temps et moitié travail, moitié sport? Non, il n'y a pas ça dans la plongée? Non? D'accord, dommage. Je suis heureuse pour lui, mais je préférerais qu'il fasse ça en dilettante et en tant que professionnel. Moi, j'ai fait un chemin, parce qu'effectivement, quand on apprend que son fils à table nous dit ben, « mon job, je veux devenir apnéiste professionnel », et champion du monde. Alors quand on entend ces phrases, on se dit, et quand on connaît Arnaud, c'est pas des paroles en l'air, donc c'est envisageable. On est sur une athlétisation du corps, parce que il descend de plus en plus profond, donc et s'il veut encore progresser, s'il veut se rapprocher des tout meilleurs, bah, il faut qu'à un moment, il puisse aussi préparer son corps. J'ai 21 ans, il en a beaucoup plus que moi, et chacun, de son côté, je pense qu'on s'apporte des conseils, ou de la motivation, ou des conseils sur les entraînements, ou même sur une démarche qu'il faudra avoir sur multiples domaines. À les voir aussi détendus, on pourrait penser que descendre dans les abysses est chose facile. Pourtant, l'apnée reste un sport extrême. L'été dernier, Arnaud s'est retrouvé bloqué à plus de 100 mètres de profondeur pendant 10 interminables secondes. Par rapport à l'incident qu'il y a eu cet été, est-ce que Morgane a pu être là pour toi? Ah oui. À ce moment-là, Morgane, ça a été un appui, vraiment, parce que bon, c'était assez costaud pour moi de le digérer. Il a quand même vécu un peu un traumatisme, du coup, comment est-ce qu'il allait vouloir réaffronter, entre guillemets, la profondeur? J'en ai parlé à mes parents, bien sûr, de suite après. Mes parents, je vais plus les rassurer sur ce qui s'est passé, leur dire que je vais bien. Morgane, je vais plus me dévoiler et vraiment laisser sortir... le profond de mes sensations en ce moment-là, quoi, pour rebondir. Ce jour-là, comme d'habitude, Arnaud est relié au bateau par une longe attachée à son poignet. Mais lorsqu'il arrive au fond, elle reste coincée. Pour rejoindre la surface, il décide de l'enlever et de remonter sans fil d'Ariane. Et à un moment où j'ai détaché ce velcro, on regarde en haut, on ne voit pas la surface du tout. On a le câble qui se perd. On regarde en bas, il fait de plus en plus noir. On se dit, bon, ben, on est dans l'espace. C'est vraiment la sensation que j'ai ressentie, parce qu'à ces profondeurs-là, on est un peu en apesanteur, mais on est happé par le fond. Donc si on arrête de palmer, on coule. Et j'entame la remontée avec des pensées qui sont négatives. Ça veut dire quoi, des pensées négatives? C'est se dire qu'on reverra jamais plus la surface, quoi. C'est se dire que...
avec ce qui vient de se passer. On a un stress qui se crée, le rythme cardiaque augmente, on consomme plus d'oxygène. Donc on se dit, avec tous ces éléments-là, est-ce que ça va passer ? Et j'ai vraiment, vraiment envoyé les watts parce que j'avais envie de percer la surface. Quoi. Et tu reprends ton souffle par contre dedans. Là, tu vois, on est à 150% de capacité pulmonaire par rapport à quelqu'un qui aurait le même âge et la même taille que toi. Donc là, on est sur des valeurs. Après son accident, Arnaud a pris rendez-vous avec un médecin hyperbare. Ça, c'est normal, c'est l'entraînement à l'apnée. Il le prépare aux effets secondaires d'une descente en apnée. T'as une idée à peu près à partir de quelle profondeur tu t'es narcosé ou tu sais pas du tout ? Ou tu t'en aperçois quand t'es au fond que tu fais ton virage ? À mon avis, c'est à partir de 87-90, je commence à prendre... Okay. D'accord. La narcose, c'est l'ivresse des profondeurs. Elle touche tous les apnéistes à partir de 70 ou 80 mètres. Ça entraîne surtout des modifications de la perception et des aspects en fait un peu hallucinogènes. Donc ça peut être agréable pour certains et ça peut être très désagréable pour d'autres. Dès que j'arrive vers les 100 mètres, je suis d'office narcosé. Mais en fait, dans le milieu de l'apnée, t'es très jeune. Donc à ce niveau-là. Donc si tu veux, forcément, toi, par rapport à ces sensations de narcose, c'est quelque chose qui est encore tout récent et nouveau. En septembre dernier, le jeune prodige rejoint les meilleurs apnéistes au monde, à Kaş en Turquie. Il s'apprête à participer à ses premiers championnats d'Europe. Évidemment, vous êtes des athlètes de très haut niveau, vous vous posez 10 000 questions. On arrête de se poser 10 000 questions. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que clairement, on vous accorde notre confiance. Moi, j'exige de vous que vous rentriez à la maison avec des beaux souvenirs et pas de regrets. Avec son franc-parler, Christian Vogler dirige l'équipe de France depuis 7 ans. Arnaud Ponche est son binôme. Ensemble, ils se répartissent les rôles. Arnaud, ça va être le technicien, hein, c'est lui, il connaît les règlements par cœur. Si vous avez des soucis avec vos palmes, c'est lui, des choix de palmes, des choix de combi, les lestages. Si vous avez besoin de motivation, vous pouvez venir me voir. Si vous avez besoin d'un coup de pied au cul, vous pouvez venir me voir. Si vous avez besoin de tendresse, ben, vous téléphonez à maman. Mais voilà, on se complète assez bien, on a une certaine expérience de tout ça maintenant. Et puis allez, le bidou, t'as un truc à nous dire ? Déjà, je suis content d'être là. Ouais, cool. Et on a dit, on fera du très bon boulot tous ensemble. Faudra que je te briefe sur le rôle du bidou, parce qu'a priori, t'as pas tout compris. Hier soir, j'ai porté ma valise ce matin. Moi, c'est le ventre. C'est ce matin, je me suis cherché mon café moi-même. On va faire... Alors, le bidou, c'est un petit peu traditionnel. Ça vient de ma culture de marin d'État. En fait, le bidou, dans un carré, c'est le plus jeune. Et c'est lui qui organise un petit peu la vie collective de l'équipe. Mais je te brieferai, moi. J'étais bidou la moitié de ma carrière. Ok, c'est cool. Allez. Arnaud vient d'intégrer l'équipe de France. Les coachs ont quelques jours pour faire sa connaissance et l'aider à gérer la pression de la compétition. Et alors, tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Donc il faut rester sur du positif, il faut aller à l'eau en se disant bah ouais je l'ai fait, donc je le refais, c'est tout. J'ai juste besoin de refaire ce que je sais faire. Pas question d'aller en zone d'exploration un jour de compétition comme ça. Donc aussi avoir de très belles surprises. Sur une compétition, c'est pas le plus profond à l'entraînement qui gagne. C'est le plus profond le jour J à l'heure. Je suis détends-toi, on dirait un militaire au repos là. Relâche un peu. C'est le bidou là. Ouais, c'est le bidou, ouais. Non, ça va bien se passer. Arnaud, tu dis que tu es prêt, à quoi tu le sais ? Je sais par rapport aux entraînements qui ont précédé. Je suis venu ici une semaine plus tôt. J'ai réussi à vraiment bien m'entraîner en bipalme, arriver à des profondeurs que j'aurais jamais imaginé cette année. Au niveau mental, je suis prêt. Et au niveau physique aussi.
Depuis qu'il est arrivé en Turquie, Arnaud s'entraîne presque tous les jours. Là, qu'est-ce que tu vas faire, Arnaud ? Là, je vais faire une plongée d'échauffement sur les bouées. C'est des profondeurs qui sont sur 30-40 mètres. Je vais faire plus petit que ça, histoire de m'habituer mon corps à la pression, déclencher des mécanismes qui se font pendant l'immersion. Et dans ta tête, là, tu te mets, avant de plonger, tu te mets dans quel état d'esprit ? Le même esprit que quand je fais ma plongée officielle. Je pense que c'est surtout des choses positives, des moments, des bons moments, par exemple. L'apnée, c'est difficile de la comparer à d'autres sports parce que c'est énormément mental. On parle de 70% de mental dans une plongée. Si on est trop stressé le jour de la compétition, le cerveau va consommer beaucoup plus d'oxygène que la normale. Et notre oxygène, c'est le carburant principal. Les exercices que je fais, ça sert surtout à mobiliser la cage thoracique et le diaphragme, deux éléments qui sont mis en grosse contrainte à ces profondeurs pour vraiment prévenir la blessure. Des étirements comme ça, je peux avoir la mer ou le vent ou une musique qui est à côté. Et je vais essayer de me concentrer dessus pour me détendre. Entre les entraînements, les équipes savent aussi relâcher la pression. Et rien de mieux qu'un bon barbecue pour mettre tout le monde d'accord. Tu serais tout seul, tu n'irais pas plonger à 100 mètres, tu n'aurais aucun intérêt à le faire, tu irais chercher tes coquillages à 30-40 mètres. Oui, ouais, c'est une équipe derrière. Du coup, il y a une émulation. Calamata 2011. C'est vrai que l'ambiance, l'équipe de France, c'était tellement géniale. Unis, ouais. On était tellement nombreux, on arrivait sur cette compétition, on était en force, quoi. Au moins une dizaine. Ouais. Et est-ce que c'est souvent comme ça, l'ambiance ? Ah oui, c'est une bonne atmosphère. L'équipe de France, c'est souvent, on est reconnu au niveau international pour être toujours très soudés. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'à l'international, les autres équipes nous envient parfois de cette émulation, voilà, qui naît de l'équipe. Solidarité, ouais. Et c'est vrai qu'on se soutient tous dans l'échec ou dans la réussite. Un petit doute ou quoi, on va de suite aller en parler à l'équipe en général pour avoir le maximum de conseils et ensuite faire un choix qui nous sera personnel. Et puis surtout, ça reste un sport très jeune dans lequel pour l'instant il y a très peu de médiatisation et il n'y a pas d'argent. Et je pense qu'hélas, au fur et à mesure où ça va se professionnaliser, peut-être qu'on va un petit peu perdre cette innocence qu'on a encore toujours, mais pour l'instant on en profite. C'est le jour J. Pour valider sa plongée, Arnaud doit descendre à 95 mètres. C'est la profondeur qu'il a choisie la veille avec ses entraîneurs et qu'il a annoncé officiellement. Arnaud, à son âge, à ces profondeurs-là, il est dans l'élite mondiale. On va voir quel va être son classement à la fin de la journée, mais je pense que ouais, s'il prend rendez-vous pour la suite, c'est certain. J'espère pour la France qu'il sera champion du monde un jour. 2, 3, 4, 5, juste avant sa plongée, un athlète italien fait un petit malaise en remontant à la surface. Arnaud, lui, est déjà dans sa bulle. Alors, t'as tout ? Ouais.
Stop départ. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Fire started. Et là, j'engrange la partie la plus difficile de l'apnée, la remontée. La plaquette, c'est ce qui lui permet de prouver qu'il est bien allé au fond. Rencontre dans la zone des 30 mètres l'apnéiste de sécurité. Je lui fais un sourire. C'est aussi un effort pour lui de venir à notre rencontre, à concentrer sur nous au cas où. One, two, three, four, five. 6, 7. I am OK. Welcome. Bravo. Target mass and dive computer, please. Pour cette fois, ce sera une cinquième place. Là où ça le fait le plus plaisir, c'est déjà c'est de valider sa plongée. Mais tous les applaudissements de tous les apnéistes autour qui se préparent et qui sont quand même là pour applaudir cette plongée, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Des journées comme ça, ça te conforte dans ton choix. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ce que je m'imaginais ça petit. Si je me disais la compétition, c'est que des moments de joie, des moments de partage et des moments où voilà, ça donne le frisson. C'est le rêve qui se réalise petit à petit.